Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et très bien. Ici, l'école Samuel Sawa Togo, c'est mon nom pour ceux qui nous découvrent la première fois. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez vous inscrire à Sam Business Community et faire votre paiement automatique à partir d'un ordinateur. Je vous avais montré dans la vidéo précédente comment vous pouvez faire ça avec un téléphone portable et là, ici, nous sommes maintenant sur l'ordinateur. Sans plus tarder, nous allons tout simplement aller sur le lien de parrainage. Donc ici, je viens ici et je tape sur le lien de parrainage de mon parrain, par exemple. Je tape là et tac, ça s'ouvre. SB Community, ouais, et puis bon, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on me demande ici? On me demande de mettre un mail. Donc je vais mettre un mail là. OK, donc je mets mon mail ici. Voilà, je prends ce mail là. Et ensuite, on me demande un username. Voilà, je fais. L'autre, j'avais mis la caution ici, je mets la caution 1. Et là, on me demande un mot de passe. Rassurez-vous que quand vous mettez en fait le username, vous ne faites pas d'espace. Vous voyez, ces espaces-là, ça va vous empêcher de voir là. Donc, mettez juste le username et ne mettez pas d'espace. Et puis, je choisis un mot de passe, toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous devez toujours mettre 8 caractères. OK? Vous choisissez votre mot de passe de votre côté. Moi, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, juste pour voilà, vous permettre des trucs, quoi. Là, ici, on me demande mon adresse USDT BP20. Donc là, ici, je peux aller dans mon compte Binance, dans mon compte Trust Wallet, mais je prends l'adresse USDT BP20 que je colle. Voilà. Ici, moi, j'ai une adresse enregistrée sur mon ordinateur ici. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas ce côté-là, vous pouvez mettre n'importe quoi ici. Vous tapez de n'importe quoi, j'ai dit, vous tapez les trucs de ce genre-là. Après, quand vous allez comprendre, à partir de la formation, vous pouvez maintenant enregistrer, à partir de votre compte, enregistrer votre adresse USDT BP20 pour pouvoir recevoir les paiements. Pour ceux qui connaissent les USDT BP20, voilà, moi je vais laisser ça comme ça. Je vais mettre n'importe quoi comme ça pour vous montrer que vous pouvez vous inscrire, même si vous n'avez pas d'adresse USDT BP20. Maintenant, pour ceux qui maîtrisent, vous mettez votre adresse USDT de réception, adresse publique de réception. Voilà, c'est grâce au paiement des commissions dans les réseaux. Lorsque vous recommandez les services de Sam Business Community, vous avez des commissions. Donc, c'est pour pouvoir retirer en fait vos commissions via l'adresse que vous avez enregistrée tout simplement. OK? Parfait. Donc, quand tout cela est fait, qu'est-ce que je fais? Coche ça, j'accepte les conditions. Ensuite, je fais résister. Donc, mail, username, mot de passe, confirmation du mot de passe, adresse USDT BP20. Ensuite, je fais résister. Donc, voilà. Ici, c'est les parrains, hein? C'est les trucs du parrain. Donc, voilà. Donc, c'est enregistré. Et donc, là, ici, je tape sur Dashboard. Vous allez voir que je ne peux rien faire. Je vais sur Subscriptions. Ici, c'est les vidéos de formation. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Rien ne passe. On me demande ici de payer d'abord. Donc, je dois payer 49,9 dollars à l'année pour pouvoir devenir tout simplement membre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je tape ici Buy Now. Maintenant, avant de taper sur Buy Now, vous devez avoir installé MetaMask ici. MetaMask en extension. Donc, quand vous installez en extension, ça vient ici. Vous allez voir MetaMask ici. Donc, moi, j'ai quelques applications en extension ici. Donc, ici, vous installez MetaMask. Pour installer MetaMask, je vais vous mettre un lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Vous pouvez utiliser ce lien de téléchargement-là. Donc, ici, vous venez, par exemple, dans les barres de recherche, vous mettez MetaMask Download. Vous voyez? MetaMask Download. Voilà. Vous installez MetaMask. Et voilà. Je prends Chrome. OK. Voilà. Et là, ici, on me dit ajouter, supprimer de Chrome. Ici, parce que moi, j'ai déjà ajouter ça dans Chrome, donc on me demande de supprimer. Donc, vous de votre côté, on va vous demander d'ajouter. Vous ajoutez à Chrome. Une fois que c'est ajouté, vous ouvrez votre MetaMask comme ça. Voilà, je suis en train d'ouvrir mon MetaMask. Voilà. Et vous rechargez votre MetaMask des USDT BP20. Moi, j'ai mis 51 dollars USDT BP20 et j'ai un peu de BNB 0,3 BNB. Donc, je sais que 51, ça peut m'aider à effectuer mon paiement. OK, voilà. Donc, un peu de BNB, 0,5, 1 dollar, vous rechargez dans votre MetaMask. Voilà, vous pouvez prendre votre 12 mots pour importer votre portefeuille ici et puis vous rechargez tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, ici, après ça, maintenant, on va aller maintenant faire les paiements. Donc, on tape ici, Buy Now. Buy Now. Et je fais. Et donc, on en arrive là. Voici les packages, 49,9 dollars. On dit, je vais payer 49,9 dollars. Plus 0,5 dollars de frais, ça me fait un total de 50,4 dollars. Donc, c'est pour cela qu'il faut recharger votre compte avec au moins 51 dollars USDT BP20. Et puis, bon, vous pouvez mettre 0,5 à 1 dollar de BNB pour les frais. Donc, voilà. Donc, arrivé ici, je fais check-out. Check-out. Et là, on me dit que je vais payer par MetaMask. Tout, 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 tout. Là, j'accepte les conditions. Je lui et j'accepte.
tout. Les deux sont couchés. Je fais connect MetaMask. Je fais connect MetaMask et vous voyez mon MetaMask est en train de s'ouvrir. Donc mon MetaMask s'ouvre. Donc quand je tape connect, automatiquement il détecte MetaMask en extension et ça s'ouvre en même temps. OK? Voilà. Et donc ici, là, on me demande de connecter mon portefeuille à la plateforme. Donc je fais suivant. C'est sélectionné. Le portefeuille est sélectionné. Donc je fais suivant. Ensuite, je fais connect. Voilà. Donc voilà. Sam Business est connecté désormais à MetaMask pour effectuer le paiement automatique. Donc, puisque c'est connecté, MetaMask va encore réinitialiser voilà, la connexion. Donc, j'attends que ça se réinitialise, les deux se connectent. Voilà, c'est la connexion des deux en fait pour pouvoir faire les paiements automatiques. Voilà. Quand on parle de connecter, ça ne veut pas dire que Sam Business Community a accès à votre portefeuille. Non, c'est un smart contract. C'est un contrat intelligent, en fait. Donc là, ici, on me dit que je vais payer 50,4 dollars. Voilà, total. Je vais envoyer 50,4 dollars. Voilà. Donc voilà tout ce qui est avec tous les frais. Voilà ce que ça va faire 50,53 dollars. Donc voilà, les frais, c'est 0,12. Si je suis d'accord avec ça, je fais confirme. Voilà. Donc vous faites confirme. Donc, on prend les 0,12 dollars en frais. Donc, vous voyez, ici, voilà, c'est en train d'effectuer le paiement connected. Voilà. Donc, en ce moment, on attend, bingo, vous voyez, on dit ici, transaction confirmée. Transaction confirmée. Donc, cette page-là va se réinitialiser. Voilà. Cette page va se réinitialiser. Donc, on attend, voilà. Vous voyez, la page se réinitialise. Propre. Le paiement est passé. Donc voilà, le paiement est passé, tout. On dit voici les paquets, j'ai payé le numéro du reçu, je peux télécharger mon reçu ici, tout ça. Donc voilà. Donc à partir de là maintenant, je peux avoir accès à mon back office puisque j'ai payé. Donc je tape sur dashboard. Donc vous voyez, paf, le back office vient maintenant. Alors qu'avant, c'était fermé avec le truc de paiement. Je peux venir dans subscription, je tape par exemple vidéo. C'est pas l'objectif, mais je vous montre. Vous voyez, les vidéos de formation vont s'afficher devant vous. Tout sort devant vous et voilà. Il y a plein de vidéos de formation. Voilà, ça charge, hein, c'est la connexion. Voilà, donc vous voyez, l'image sort et on peut commencer à jouer les vidéos. Donc voilà un peu ce qu'il en est. Voilà comment vous pouvez vous inscrire à partir de votre ordinateur et puis effectuer votre paiement en automatique avec MetaMask. Donc en résumé, vous rechargez, vous installez MetaMask ici en extension. Vous importez votre portefeuille ou bien vous ouvrez un nouveau portefeuille. Vous rechargez USDT BEP20 au moins 51 dollars. Vous mettez 0,5 dollars ou bien 1 dollar de frais en BNB Smart Chain. Et ensuite, vous faites votre paiement tranquillement et c'est OK. Voilà. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à rejoindre Sam Business Community, la communauté des investisseurs milliardaires, la communauté des investisseurs millionnaires. Dans cette communauté-là, oui, c'est l'investissement dans la crypto-monnaie, dans les actions, dans l'immobilier tokenisé et bien d'autres. Nous vous y attendons. C'est seulement 49,9 dollars par an. Dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui vous permet de rejoindre tout simplement Sam Business Community. Nous vous y attendons. Au revoir et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.